Good morgen, allez, Yidan, les sutres aujourd'hui, les longs nishmat, les charons de bonne fortune et mazal, les clôtures, les bonne fortune et mazal, si vous souhaitez vous aussi des dieux, une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans le Sechet Beitza, Perigdalet, Mishnah Bet, En Notlin, Etzim, Minasuka, Ela, Minasa Mouchla, Mevin, Etzim, Minasade, Minamechounas, ou Minakarpef, Afilu, Minamefuzar, Ezeu Karpef, Kolchesa Mouchlair, Divré, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omer, Kolchenechansin, Lobe Fotachat, On parle dans notre Mishnah du ravitaillement en bois pendant Yom Tov. On est confronté à plusieurs problèmes. D'abord, un cas simple de la Mishnah. En notin etzim minasuka. On n'aura pas le droit de prendre des bois qui sont sur une souka, même si ce n'est pas une souka de mitzvah. On est à Pessah, on a construit une petite cabane dans la cour. On a besoin de bois, en fait, pour allumer le four. On se retrouve. On n'a plus de bois, on se dit, bon, les gosses, ils ont construit une cabane. Allez, viens, on lui prend un petit bois, on a un bois du toit. Et comme ça, on a une belle bûche pour faire cuire. Eh ben non, c'est défendu. Pourquoi? À cause de... Alors là, c'est un plus grave interdit que Mouktsé. C'est un interdit de Stirat Oel. Tu détruis, hein. Tu as construit quelque chose, tu n'as pas le droit de détruire pendant Yom Tov. Tu casses, tu... D'accord? Bonnet vaisseauter, c'est de malachot. Construire et détruire, attends. On a construit une cabane, maintenant tu détruis la cabane, tu n'as pas le droit de te ravitailler en bois de la sorte. Donc tu n'as pas le droit de prendre ce bois. Par contre, et là, Mina Samoukhla, tu peux en prendre de ce qui est proche d'elle. C'est-à-dire, si, quand on a construit la petite souka, la petite cabane, on l'a construite avec des murs et avec un toit, mais en plus ça, on a même rajouté sur le côté, pour rajouter un peu de... qui est plus, qu'elle soit plus robuste, plus... On a rajouté des bois qu'on a juste collés comme ça, qu'on a mis dessus, qu'on a appuyé dessus, mais sans les fixer à la cabane. Alors la Mishnah me dit ça par contre, ces bois-là, tu as le droit de les utiliser si tu veux. D'accord? Ça, c'est le premier sujet de la Mishnah. Deuxième sujet de la Mishnah, c'est Mevin etzin mina sade mina mechounas. Alors, je traduis d'abord. On a le droit de rapporter des bois du champ, mina mechounas, de ce qui a été réuni. Ou mina karpef afilu mina mefuzar. Ou encore, mina karpef, c'est de l'enclos, même s'ils sont éparpillés. Et je m'arrête là pour le moment, après on apportera une précision sur le carpef. En fait, il y a deux paramètres à considérer, et on a une difficulté, parce que c'est Mishnah qui n'est pas retenu à la l'alakha, on a, pour la l'alakha, on tient un avis encore plus strict. D'abord, on pose le problème. On a déjà expliqué, déjà dans la Mishnah précédente, que tout ce que tu exclus d'utiliser à Yom Tov, ça devient interdit, Mouktsé Mahmad Goufo. D'accord? Soit, tu as besoin de bûches. Tu n'as pas le droit de partir dans la rue pour trouver est-ce qu'il n'y a pas un bout de bois qui va faire l'affaire pour te le mettre dans le four et l'allumer. Pendant le temps, tu n'auras pas le droit d'aller faire ça. Tu as deux problèmes très graves dans cette histoire. Un problème de moukté. Un problème de moukté dans la mesure où tu vas ramasser quelque chose que tu n'as pas prévu d'utiliser. Tu ne peux utiliser à Yom Tov que ce que tu prévois d'utiliser. C'est un des grands principes de moukté. Depuis la première Mishnah, on avait parlé même de la terre pour recouvrir le sang du poulet qu'on égorge dans Yom Tov, le Efer Kira et tout ça, tu dois, ce que tu veux utiliser à Yom Tov, tu dois, il doit être prévu, prédisposé à être utilisé. Quelque chose qui est dans la rue, eh ben, il n'est pas prévu à être utilisé. Mais il y a même, entre parenthèses, et pas entre parenthèses même, parce qu'on va avoir besoin pour notre Mishnah, un bois qui se trouve dans la rue, un bois qui se trouve dans la rue que tu veux ramasser pour aller le brûler. Si c'est un seul bois, ça va, mais si tu vas devoir ramasser quelques bois, tu as même un autre problème de méhamer. C'est une menacha qui est moins connue, mais tout ce qui se trouve, tout ce qui se trouve dans son lieu où ça pousse, par exemple, des fruits sous un arbre qui sont tombés depuis même avant Shabbat, ils sont là, et tu veux les ramasser, tu sens ça, c'est un interdit de méhamer. Réunir, c'est une menacha de Shabbat, des 39 travaux, les méhamer, c'est réunir tout ce qui est les fruits ou les bois ou tous les végétaux dans l'endroit où ils poussent naturellement, les réunir pour aller les ramasser après les amener, les engranger. Il y a un interdit de la mer. Donc je reviens maintenant. On a fini l'introduction. Et maintenant, on revoit ça un peu mieux par rapport à notre problème. Je me retrouve à Yom Tov sans bois. J'ai besoin de ravitailler. J'ai besoin d'allumer mon four, j'ai besoin d'allumer mon barbecue, on a besoin de faire une ambiance à Yom Tov, c'est important de bien manger, Bessimcha, il faut du bois. J'en ai pas. Mais j'ai dans mon champ, j'ai des bois.
Alors la Mishnah, elle me dit, écoute, tu as deux possibilités. Il y a d'abord, le champ, c'est le lieu naturel où le bois pousse, premièrement. Donc tu as un problème avec mes amers. Si tu vas, tu le ramasses. Maintenant, si ton bois, il a déjà été réuni dans le champ, tu as le droit d'aller le chercher. Carpef, c'est un enclos, mais un enclos où les bois ne poussent pas. C'est un enclos pour les animaux, il n'y a pas de bois là-bas. Et si tu as amené des bois, c'est des bois que tu as pris forcément de l'extérieur pour les apporter ici, pour les laisser sécher par exemple. Alors là, ils ont l'avantage qu'il n'y a plus d'interdit de méamère, et même mieux que ça, dans les deux cas. Ce qui a été réuni, ou ce qui a été rentré dans l'enclos, c'est sûr que tu prévois de les utiliser, donc il n'y a même plus d'interdit de moukhtse. Donc tu aurais le droit en théorie de les utiliser. C'est ce que la Mishnah vient de l'enseigner comme ça. Les bois que tu as dans ton champ, que tu as réunis, c'est sûr qu'au moment où tu les as réunis, qu'est-ce que tu voulais faire avec ces bois? Tu les as réunis parce que tu prévois de les utiliser. Sinon pourquoi tu t'es mis à ramasser tous les champs, tous les bois? En théorie, tu les as ramassés parce que tu prévois. C'est sûr que quand tu les as ramassés, tu as eu une pensée de les réunir pour pouvoir les utiliser. Tu n'as plus d'interdit de mes amers de réunir et tu n'as plus d'interdit de mouxer. C'est super. Va, même si ton champ, il n'est pas à l'extérieur du trou, tu as le droit de sortir là-bas, il est dans les 2000 amas à l'extérieur de la ville, il n'est pas très loin. Tu vas, tu as le droit d'aller ramasser tes bois. Et même mieux que ça, si tu as un enclos, et un enclos qui est fermé, donc, où il y a là-bas même tes animaux, où les bois ne poussent pas là-bas. Le simple fait d'avoir pris des bois, de les avoir mis là-bas, même si tu les avais éparpillés, ça suffit, c'est sûr que tu as l'intention de les utiliser. Tel est le premier avis, tel est l'avis de la Mishnah. Pour la halakha, on ne retient pas cet avis, mais on réclame, on impose qu'il y ait les deux conditions remplies. Soit, d'une part, que le bois il soit dans l'enclos et pas dans le champ, et en plus de ça, même lorsque tu es dans l'enclos, il faut qu'il soit empilé. S'ils ne sont pas empilés, tu n'as pas le droit de le faire. Ouais, on a deux conditions qui étaient évoquées. Réunir et dans l'enclos. Le premier avis de l'avis qui rapporte dans le Mishnah nous dit un ou l'autre, ça suffit. Et là, pour la halakha, on tient qu'il faut les deux. Réuni et dans l'enclos. Parce que si c'est juste réuni dans le champ, alors c'est vrai que tu as eu une intention de les utiliser, mais étant donné que, apparemment, dans le champ, y a, les gens y entrent, ils sortent, ils peuvent te prendre le bois, au moment où. Si tu ne prévois pas encore d'utiliser concrètement, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir le prendre. Tu c'est pas grave, tu vas pas lui en vouloir. Donc t'as pas d'intention franche de. C'est que pour toi et pour personne d'autre. Ça s'appelle que c'est pas Mishtamer. Et quand c'est dans l'enclos, alors en théorie, il n'y a pas de problème, tu pourras l'utiliser, quand la cavode, on n'a aucun problème. Mais on a un autre problème technique, c'est que si tu vas te mettre à les réunir, on a peur que tu vas. Demain, tu vas partir les réunir aussi dans le champ et là-bas tu vas penser à un interdit de ma mère. C'est pour ça qu'on impose qu'il y ait les deux conditions, que tu sois donc dans l'enclos et qu'il soit réuni. Deuxième précision maintenant. Ezeu Karpef, tu m'as parlé d'un enclos. Qu'est-ce que tu appelles que c'est un enclos et que c'est pas un champ? Elle est où la différence? C'est quoi la différence entre un enclos et un champ, non, réellement? C'est quoi? Est-ce que c'est un animal? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit? Alors, sur ça, hein, on va s'intéresser, on a une discussion de nouveau entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Est-ce que suffit une seule condition ou même deux conditions? On a deux paramètres en fait. Un, Kol Shesamuch Lahir. Tout ce qui est à proximité de la ville. Donc tu as besoin de sortir dans les champs. C'est considéré comme si c'était à court. Dire Rabbi Yehuda, tel avis de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Omer, selon Rabbi aussi, non. Kol shenichnasim lo befotachat. Tout ce que tu entres avec une clé. Vafelo betor trum shabbat, mais même si tu n'es plus à proximité de la ville, mais tu t'es éloigné, tu es dans le trum shabbat. Soit, on explique un petit peu mieux, parce que là, vous ne devez pas tellement comprendre. On a parlé du champ, on a parlé de l'enclos. Maintenant, il faut savoir, c'est pas. Qu'est-ce qui définit la dans toutes sortes de situations, finalement, dans un même champ, dans un endroit fermé. Qu'est-ce qu'on définit comme enclos, qu'est-ce qu'on définit comme champ? Dans le champ, même si tu ne plantes pas des arbres dans le champ, c'est interdit, même si tu les as portés d'extérieur, parce que ça s'appelle un champ. Donc, où définir exactement la différence entre les deux? Sur ça, on a deux paramètres. Les champs, vous savez bien qu'ils étaient à l'extérieur de la ville. Il y avait dans la ville, les gens habitaient, et ils sortaient dehors pour labourer les champs, et après, donc, un champ, il est à l'extérieur de la ville. Donc, il y a un premier paramètre qui va rentrer en considération pour définir est-ce que c'est un champ ou c'est un enclos, c'est tout d'abord, quelle est la proximité de la ville. Il y en avait, et c'est d'ailleurs retenu, les deux paramètres, ils sont considérés. Après, est-ce qu'il faut les deux ou il faut un seul, on va voir. D'abord, premièrement, dès que tu dois maintenant quitter la ville et commencer à marcher en direction des champs, là-bas, tu vas te retrouver avec un enclos, cet enclos, il a un statut de champ. On ne permet plus d'aller prendre des bois de là-bas, même s'ils sont empilés selon la vie, ou chacun selon son avis. D'accord? Donc, dès qu'il n'est plus à proximité. Premièrement, il faut que ce soit à proximité. C'est quoi proximité?
C'est que depuis là où les habitations s'arrêtent, l'enclos ne soit pas éloigné à plus que 35 mètres, 70 amas. D'accord? Premièrement, il y a un premier paramètre. Deuxième paramètre, ceci est quelque chose que l'on ferme. Parce que les champs, ils ne fermaient pas les champs. Même si une petite barrière pour séparer avec les voisins, mais celui qui voulait entrer dans les champs, il pouvait entrer dans les champs sans aucun problème. D'accord? Ça, c'est la nature des champs. Donc du coup, un enclos qui est fermé, il a un statut d'enclos. Alors sur ça, maintenant, on a deux avis. Selon Rabbi Yehuda, il faut deux conditions. Il faut que ce soit un enclos à proximité de la ville, et en plus de ça, qu'il soit fermé. Et s'il a les deux conditions remplies, alors ça devient un enclos. Ça n'a plus de statut de champ, et tu pourras ramasser le bois qui se trouve dedans, chacun selon son avis. C'est-à-dire, soit du bois même qui est éparpillé selon l'avis de la Mishnah, ou selon la Halakha, ce soit du champ qui soit du bois qui soit empilé et dans l'enclos. Mais si l'enclos il est trop loin, ou bien si l'enclos il est fermé mais il ne se ferme pas avec une clé, donc tout le monde peut entrer dedans, ça prend de nouveau un statut de champ, ce sera plus bon. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi aussi, alors, dans la Mishnah, il te dit, même si c'est éloigné, à condition que ça rentre avec une clé, et le Bartonori apporte dans l'agma, que oh, il y a aussi d'autres conditions. Si c'est quelque chose qui est à proximité et qui ne se ferme pas avec une clé, malgré tout, le fait qu'il soit à proximité, ça s'appelle encore comme une cour. Ça s'appelle que c'est comme une cour, ça s'appelle pas que c'est un champ. Et même si c'est loin, ça suffit que ce soit fermé. Dès que c'est fermé, ça peut un statut de champ. D'accord? Et sur ça, la halakha est établie comme Rabbi aussi, donc ça suffit une condition à remplir. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.